quoi de cette deuxième mi-temps qui va être donnée par les joueurs d'Alençon. Non, faux départ. Faux départ, fausse alerte. Julien Daniel qui a voulu frapper loin devant comme ça se voit parfois. C'est voilà, c'est parti, c'est reparti cette deuxième mi-temps. Et cette équipe de l'Aza ici 3-5 qui mène 1-0, but de Henrik Bizy à la 12e minute, aucun changement. Des deux côtés, long ballon en direction tout de suite de Julien Daniel et Ibou Tunkara qui s'embarrasse pas, qui dégage en touche là-bas. Sur le côté droit, touche pour Denis, pour Guissé qui se retourne, qui va retrouver peut-être Denis, non, qui cherche derrière lui pour Théa. Théa, le défenseur central de cette équipe, attention, avec un ballon mal négocié par Steve Mendes, ça va donner un premier corner de cette deuxième mi-temps pour Alençon, et c'est Bio là-bas qui va frapper ce corner côté droit, corner au premier poteau mal frappé, attention parce que c'est mal renvoyé aussi du côté de Laza, et là cette fois c'est Dickinson qui peut lancer Henrik Bizy pour une nouvelle contre-attaque de Laza. Henrik Bizy qui tente de se débarrasser du défenseur, qui obtient la touche, bien joué de la part d'Henrik Bizy, on le disait très dangereux en première mi-temps. Espérons qu'il refasse le même match en deuxième mi-temps. Henrik Bizy, quand il est très en forme, il peut apporter énormément à cette équipe de Laza. Avec là-bas une touche. Pierre Bellicens touche pour Valentin Charbonnier. Valentin Charbonnier qui contrôle le ballon, qui voit à ses côtés Henrik Bizy, qui a tenté de le trouver dans le ballon, qui revient sur Valentin Charbonnier derrière lui de nouveau. Et à nouveau une touche pour Laza ici 3-5 qui s'est installé dans cette moitié de terrain d'Alençon en ce tout début de deuxième mi-temps. Henrik Bizy à nouveau contrôle de haut but. Henrik Bizy qui a tenté de passer, c'est Théa qui récupère le ballon. Charbonnier dans un second temps, mais finalement sera une faute sifflée par l'arbitre de ce match. Ça va être un coup franc que va frapper Flandrin, le gardien de but d'Alençon avec son maillot bleu nuit, avec Steve Mendes de la tête, Christophe Ferron, l'entraîneur d'Alençon qui crie là sur son banc, ça n'y a pas plus ce qui s'est passé avant, avec Henrik Bizy de nouveau service, Steve Mendes en direction de Grégory Lefort, une erreur de Cyril François, Grégory Lefort qui évite Théa, Lefort face à Théa, Lefort qui trouve là-bas Anouar Fatmi, c'était bien joué, mais Anouar Fatmi qui arrivait un petit peu tard, c'était un peu court sur cette belle passe de Henri Lefort qui ne pouvait rien faire et qui a préféré servir Anouar Fatmi côté opposé, alors cette fois avec Yomé face à Berreté qui a pas eu le dessus, et cette fois c'est Guissé qui rend directement le ballon à Mendes, Henrik Bizy, une louche de direction de Grégory Lefort, c'est Théa. Théa déjà plusieurs fois à l'œuvre en ce début de deuxième mi-temps. Théa qui a le ballon, qui regarde devant lui, qui préfère jouer la solution courte avec Benmar qui s'avance et qui tente de trouver. Ouais, long ballon là-bas pour Julien Daniel qui a vu. Oh, mais tente. Julien Daniel, on le sait, c'est un finisseur. Là, il a tenté sa chance comme le ballon venait, mais c'était pas évident. On sait que c'est un des gestes les plus durs ça, du foot quand le ballon vient de derrière, le reprendre instantanément comme ça, en plus en pivot, c'est pas évident, et on l'a vu, il a totalement manqué le cadre, c'est parti dans les nuages du stade Jacques Fou, et c'est donc Fawzi Hamzal qui va avoir joué son premier dégagement de cette deuxième mi-temps, on joue depuis moins de 4 minutes de jeu avec donc Fawzi Hamzal, long dégagement en direction de Fawzi Hamzal, voilà, j'arrive avec Noir Fatmi côté droit. Fawzi Hamzal, Anouar Fatmi, les deux hommes se cherchent assez souvent. Et là, cette fois, c'est par-dessus le toit qu'a dégagé Fawzi Hamzal. Ça va être une touche. On se presse, mais non. On se presse côté des supporters pour rendre le ballon. C'est manqué cette fois. Voilà, le ballon pour Eric Girardet. C'est Eric Girardet qui va donner directement le ballon au pied. L'ancien footballeur qu'il était, passé par la GIA. Pour Yomé, touche de Yomé pour Ngansami. Et voilà, touche. Non, c'était pas Ngansami, c'était Sidi Kissé, que l'on voit beaucoup en milieu de terrain côté Alençon. Touche à Anouar Fatmi de la tête pour Valentin Charbonnier, lui aussi de la tête. Ça rappelle un peu ce début de match. On a vu beaucoup de joueurs remiser les ballons de la tête avec Lefort et la bonne intervention encore une fois de Dacruz, un très bon match de Dacruz qui fait ses débuts sous le maillot de Laza avec une longue ouverture là, c'était Anouar Fatmi pour Grégory Lefort devancé par Denis et finalement c'est Flandrin
qui relance pour son capitaine Cyril François. Cyril François qui n'est pas attaqué, donc qui monte et qui tente de trouver là-bas sur le côté droit. C'est encore Yomé qui est monté. Un centre complètement manqué de Yomé qui avait fait une longue course et qui. Ah là là, mais alors là on rend directement le ballon de la part de Jérémy Dickinson à. Attention, attention. Oh là 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 là, superbe sauvetage. Alors là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, c'est Pierre Bellicen qui n'a pas hésité à se jeter sans penser aux conséquences. Et en effet, il reste au sol. Mais superbe intervention de Pierre Bellicen qui a sauvé son camp là parce que il y avait un petit slalom de la part de Benjamin Morel dans la surface. Il faut dire que le cadeau de Jérémy Dickinson était assez impressionnant. Il avait tranquillement le temps de relancer. Il a manqué complètement sa relance. Et Benjamin Morel a pu venir se faufiler dans la surface. Superbe intervention de Pierre Bellicen. Ça, c'est un corner pour Alençon, frappé au deuxième poteau. Fawzi Hamzal qui s'envole et qui capte ce ballon. Bon match lui aussi de Fawzi Hamzal qui a jusque maintenant fait très bien tout ce qu'il avait à faire. Et qui dégage loin devant en direction d'Auric Bizier. Ah, ça, c'est manque par contre de précision. C'est pas grave. On va pas en vouloir à Fawzi Hamzal qui fait un bon match, une bonne saison. Là, le capitaine de l'AZA, il donne du voix. Il donne de la voix, il donne du geste et quand il faut répondre présent, il est souvent là la plupart du temps. Attention à Ken Gatsemi là-bas sur le côté droit face à Bellicen justement qui s'est relevé. Gatsemi qui fixe Bellicen, qui réussira à le passer, qui s'enroule là et claquette de Fawzi Hamzal sur ce beau centre. Gatsemi qui avait cherché là-bas au second poteau Morel une nouvelle fois. Et là c'est Gissé qui lui aussi fait admirer sa palette technique. C'est bien joué de la part de... C'était Namadia Barreté qui était venu... aider sa défense, là encore Guissé, très, très en vue, très dangereux, très bon ballon au pied et il va même frapper ce corner au premier poteau. Et là, la tête de Jérémy Dickinson cette fois, c'est en touche, il n'y a pas de danger, juste une touche sur le côté gauche pour c'est Benjamin Morel qui exceptionnellement va faire ses touches. D'habitude, c'est Yomé qui s'en charge, c'est Morel en 1-2 avec... avec Guissé, c'est Jérémy Dickinson qui a réussi à dégager derrière en taclant. Il bout une cara de la tête en touche. Grosse pression, une nouvelle fois, de cette équipe d'Alençon en deuxième mi-temps. On sent cette équipe d'Alençon qui veut évidemment revenir au score. C'est toujours mené 1-0 après ce but d'Henri Bizier d'entrée de match à la 12e minute sur un super service de Lefort. Là, c'est Berreté qui a pris le dessus, qui a récupéré le ballon avec justement ce même Grégory Lefort. Grégory Lefort qui est passé, mais non. Bel effort de Cyril François qui parvient à passer la jambe et à attaquer ce ballon en touche avec une touche là qui va permettre à ici de se donner un peu d'air parce que là ils sont un petit peu étouffés en cette deuxième mi-temps avec une forte pression des joueurs d'Alençon qui à leur tour avaient mis le camp dans la moitié de terrain des Verts. Justement avec Bedmar là-bas pour Ngansami qui remplace Paris, on le rappelle, qui était suspendu. Paris qui avait égalisé contre Lorient dans le temps réglementaire sur une superbe prise de volée dans le petit filet opposé. Paris aujourd'hui est suspendu et c'est une grande Samy, donc habituellement remplaçant, qui le supplée dans l'équipe de départ de Christophe Ferron avec Cyril François, une nouvelle montée de Cyril François. Ça passe pas, Anouar Fatmi était bien présent, il a mis sa tête. Oh, alors là, c'est impressionnant, c'est un compris. L'arbitre qui laisse jouer, c'était un contact entre un choc assez rude entre Namadia Berreté et Cyril François. On a entendu Cyril François pousser un hurlement assez impressionnant. Et c'est maintenant que l'arbitre va demander la civière, le soigneur. En tout cas, Cyril François, alors de s'être fait très mal en ce choc avec Namadia Berreté. Peut-être Namadia Berreté, c'est plus d'1m90, c'est près de 100 kilos. Et dans les duels, ça fait très mal. Sur ce coup-là, l'arbitre avait laissé jouer. Visiblement, ça ne plaît pas beaucoup aux supporters qui, eux, évidemment, avaient vu une faute de Berreté. Mais l'arbitre central, qui est de jaune, fluo vêtu, lui, n'en avait pas décidé ainsi. Et Cyril François qui sort en boitillant, ça va aller je pense pour le capitaine d'Alençon qui devrait pouvoir faire son retour sur le terrain assez rapidement alors qu'on joue depuis 10 minutes de jeu. Cette deuxième mi-temps, les joueurs d'Alençon qui rendent le ballon à leurs adversaires qui avaient sportivement sorti le ballon alors que l'arbitre qui avait laissé jouer. Vous connaissez la règle maintenant,
Ce n'est plus au joueur de sortir la balle, c'est à l'arbitre de décider d'arrêter le jeu ou non. Sur ce coup-là, lui, il ne l'avait pas fait, les joueurs ont décidé de sortir, les joueurs de Lazare, avec une tête d'Anouar Fatmi. Valentin Charbonnier qui a failli trouver le ballon, c'est Steve Mendes encore une fois à la lutte au milieu de terrain. Valentin Charbonnier qui passe la jambe et c'est Yomé qui préfère laisser sortir ce ballon pour mieux jouer la touche derrière Jeremy Dickinson de la tête. Encore une erreur de Jeremy Dickinson, mais Steve Mendes était présent avec Nemanja Berete qui mine à toute suite vue l'appel de Grégory Lefort. Grégory Lefort qui va faire pression sur cette fois sur Flandrin, le gardien Flandrin qui n'a pas paniqué. C'est Berreté encore une fois qui retrouve le ballon au milieu de terrain. Attention, Valentin Charbonnier, ça arrive. Valentin Charbonnier qui parvient à se retourner, mais ouais, il a eu tendance à attendre un petit peu près le ballon. Et là, ça va être une faute de Berreté sur ce même Cyril François. Évidemment, les deux hommes sont souvent dans la même zone en ce moment. Et alors que ça va être le premier changement de cette partie avec la sortie du numéro 2, Étienne Denis, qui est donc le défenseur latéral droit, qui va être remplacé par le numéro 15, Alain Nkang Etamé. Alain Etamé, donc qui rentre, Alain Etamé, qui lui n'est pas arrière droit, mais bien attaquant né à Douala au Cameroun. Et qui justement évolue au Cameroun avant de faire ses débuts dans le championnat de France avec cette équipe d'Alençon. Donc un changement tactique de Christophe Ferron qui a opté pour un attaquant à la place d'un défenseur. Donc comment on s'organise maintenant cette équipe d'Alençon? Donc visiblement c'est alors qui est passé là-bas? Ça doit être c'est Bio, qu'on disait en début de match, qui peut jouer aussi latéral droit, qui c'est aujourd'hui en l'absence du Christophe Join qui joue en milieu de terrain. Et donc c'est Bio qui est passé là-bas arrière droit. Alors attention, parce que premier ballon pour Etamé qui fait l'effet de Dickinson et qui centre. Attention, mauvaise relance de Tunkara et la main dans la surface. Voilà, la main dans la surface de Julien Daniel. Julien Daniel qui ne proteste d'ailleurs pas, il a bien fait main. L'arbitre a eu raison de siffler. Donc premier changement dans ce match avec l'entrée de Etamé. Alors que Anouar Fatmi, lui, se dialogue un petit peu avec Giraldès là-bas, qui est sorti de son banc, comme il l'a souvent l'habitude, il est dans sa zone. Bon dégagement avec Guissé qui file vers le but d'Amzal, Guissé qui trouve Daniel. Sur Daniel, intervention de Dickinson sur Daniel. Daniel qui se plaint, l'arbitre qui laisse jouer. Et c'est de Théa qui maintenant a le ballon. Et Théa qui trouve là-bas. Et c'est Pierre Bélissens une nouvelle fois. Pierre Bélissens qui est intervenu le premier sur le ballon. Il était le plus rapide, le plus vif. Ça lui a permis de dégager ce ballon en touche. Une touche justement. Donc attention avec Ngan Sami qui centre directement. Centre intelligent de Ngan Sami qui a tenté le centre de volée. C'est une nouvelle fois Tunkara qui dégage le ballon en corner. On sent cette équipe d'Alençon de plus en plus pressante pour l'instant. Alors qu'on joue depuis 13 minutes en deuxième mi-temps et que le score est toujours 1-0 pour l'Aza ici 3-6-5, pour l'Arménienne, pour l'ici Ararat, appelez-la comme vous voulez, en tout cas 1-0 pour les joueurs d'ici sur ce but d'Henri Bizier en début de match. Et cette équipe d'ici qui souffre de plus en plus, qui a beaucoup de mal à relancer proprement, qui ne s'embarrasse pas, qui dégage souvent en touche, mais ça ne permet pas de gagner beaucoup de terrain. Ça permet uniquement de souffler et d'éloigner un petit peu le danger, mais ça ne permet pas de gagner de terrain. Attention avec cette tête de Julien Daniel, qui est bon de la tête aussi également, on avait oublié de le préciser. Mais là, cette fois, c'est complètement hors cadre et ça va être un nouveau dégagement pour Wozi Amzal, qui en a énormément fait depuis le début de ce match. Souvent très long, on va voir encore si ça va être le cas. Oui, très long dégagement de Fawzi Amzal. En milieu de terrain, c'est Benmar qui a le dessus. Petit pont sur Anouar Fatmi pour Yomé. Yomé qui trouve, tente de trouver l'entrant, le dernier entrant plein de sang frais. Etamé face à Tunkara. Et Tunkara qui a le dessus, épaule contre épaule. Alors, c'est toujours impressionnant parce que Tunkara, qui est costaud, il est impressionnant. Et tout le monde demande à chaque fois. Les supporters adverses ont tendance à réclamer la faute. Mais là, c'était bien du épaule contre épaule. Épaule contre épaule entre Tunkara et Etamé, ça fait Etamé au sol et Tunkara qui protège bien son ballon. Et nouveau dégagement de Fawzi Amzal. Amzal pour en direction d'Anouar Fatmi, la tête de Yomé. Et touche en faveur de Jeremy Dickinson, même si Benjamin Morel proteste, il estime avoir été victime d'une charge.
du défenseur latéral droit de l'Aza, Charbonnier, erreur de Charbonnier qui a contrôlé le ballon. Mais heureusement, Medmar lui aussi commet une erreur et ça va permettre à Berbélissen là-bas de débouler face à Nganzami qui a reçu. Non, c'était Berbélissen qui a cherché Gbizier. Mais Gbizier est allé trop vite pour Berbélissen et le ballon ne lui est pas arrivé. Alors avec Gassé, un nouveau Sidi Dissé qui touche beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons depuis le début de ce match, la plupart des relances d'Alençon passent par lui. Et généralement, il accélère le jeu, il donne du rythme. Il fait beaucoup de bien à cette équipe qui joue aujourd'hui en vert et noir. Attention, long ballon pour Julien Daniel, heureusement mauvais contrôle de Julien Daniel. C'est une longue ouverture de Théa qui a tendance maintenant à sauter son milieu de terrain et à chercher directement ses attaquants. Heureusement pour Laza, Julien Daniel a manqué son contrôle. Et ça n'a rien donné. Poziamzal a pu se saisir tranquillement du ballon. Encore ballon là-bas pour Nganzami. Nganzami pour Benmar. Benmar pour Bio. À nouveau Benmar. Et bonne intervention de Steve Mendes qui va peut-être lancer Grégory Lefort. Non, il temporise. Hein, c'est dommage. Il y avait peut-être mieux à faire. Présente à Charbonnier qui, lui, trouve là-bas sur le côté gauche Henri Gbizier. Henri Gbizier, victime d'une faute, mais il continue. Attention, Henri Gbizier. Il va falloir centrer un moment ou un autre. Long centre pour Anouar Fatmi qui trouve Valentin Charbonnier qui est seul face au gardien, une super parade de Flandrin. Attention, le ballon qui revient pour Anouar Fatmi, un dribble, une frappe peut-être. Oh oui, et le but d'Anouar Fatmi, superbe but d'Anouar Fatmi. Oh là 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 là, alors que dans la seconde précédente, il y avait un face-à-face gagné par Flandrin face à Charbonnier, et le ballon qui est revenu sur Anouar Fatmi, un crochet, une frappe, c'est dans le petit filet, et Laza qui mène maintenant ici 2-0 à Alençon. Superbe opération sur ce coup-là, une nouvelle contre-attaque vraiment très bien menée de la Zazie 3-5. Et après 62 minutes de jeu, 17 minutes dans cette deuxième mi-temps, une superbe frappe d'Anouar Fatmi, vraiment une grosse frappe là après un crochet alors que c'est Bio qui prend dans le même temps un carton. Visiblement, il a protesté pour je ne sais pas pourquoi, en tout cas il a pris un carton. Deuxième averti de cette équipe d'Alençon. Et ouais, donc vraiment superbe frappe d'Anouar Fatmi après un contrôle, magnifique contrôle orienté et grosse frappe dans le petit filet. Flandrin qui était tout juste replacé sur sa ligne ne pouvait rien faire. Et maintenant 2-0 pour Laza qui ferait une bonne opération ici en commençant l'année avec une victoire face au vert d'Alençon. Avec Dacruz, un excellent match de Dacruz. Dacruz là qui malheureusement a manqué un petit peu sa relance, mais encore avec Guissé qui va chercher là-bas. Côté opposé, longue transversale pour direction de Bio ou Nganzami. En tout cas, c'est Henri Gbizier qui avait réussi à s'infiltrer entre les deux joueurs et qui va récupérer un ballon de plus là-bas sur le côté gauche. Très bon match d'Henri Gbizier. C'est encore de lui qui est venu ce deuxième but. Il avait marqué le premier à l'origine. Et là, il est à l'origine du deuxième avec un très bon centre au deuxième poteau pour Fatmi. Et puis finalement, le ballon Fatmi qui a fait une superbe remise pour Charbonnier. Charbonnier contré, le ballon qui est revenu sur Fatmi. Et Fatmi qui donc permet à Laza de mener 2-0. Et maintenant cette équipe de Laza qui va, je pense, tenter de gérer le score, même si c'est pas toujours évident. Mais bon, attention avec Henri Gbizier, encore lui côté gauche. Henri Gbizier derrière lui, peut-être pour Steve Mendes. Ouais, Steve Mendes, non, qui se fait déposer du ballon. Mais c'est Berreté derrière lui en soutien qui a le ballon qui va chercher Anouar Fatmi. Très bon match d'Anouar Fatmi. Malgré la fatigue, hein, parce que bon, pour ceux qui ne sauraient pas, Anouar Fatmi, c'est aussi comme ça un petit peu pour les footballeurs amateurs, alors qu'il y a une faute sur Valentin Charbonnier. Anouar Fatmi qui a quitté son travail pour prendre le bus direction Alençon. Et donc, il n'a pas beaucoup dormi, il a enchaîné la nuit de travail, ensuite le déplacement en car. Et ensuite, ce match sur la pelouse du stade Jacques Fou ici à Alençon. Donc franchement très bonne production d'Anouar Fatmi pour le moment, pour un joueur qui n'était pas censé être en pleine possession de ses moyens. C'est magnifique ce qu'il réalise jusqu'à maintenant, donc avec le coup franc là, pour cette faute sur Valentin Charbonnier côté droit, avec Henri Gbizier et Grégory Lefort qui se parlent pour savoir qui va jouer ce coup franc. Ça va être ou Henri Gbizier enroulé pied gauche, Grégory Lefort pour un coup franc sortant en roulis pied droit. Je pense que ça va être Henri Gbizier. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface. On voit uniquement Charbonnier, Fatmi et Dacruz. Ça peut suffire. Surtout que Grégory Lefort, lui, s'éloigne. Il va le trouver, Henri Gbizier. Bon contrôle de Henri Lefort et la frappe enchaînée. C'était bien joué. Belle combinaison de la part des joueurs d'Éric Géraldès qui n'avait pas mis beaucoup de joueurs volontairement dans la surface.
ça a permis à Grégory Lefort en voltigeur de s'échapper du marquage, de s'échapper du ballon et de recevoir ce ballon d'Henrique Bizier. Un contrôle, une frappe, c'est hors cadre, mais c'était très bien joué de la part de Laza qui mène donc ici 2-0 sur le stade, sur la pelouse d'Alençon après 20 minutes de jeu. Et ce long dégagement de Flandrin, c'est encore Valentin Charbonnier qui a le dessus de la tête. Grégory Lefort, non, je crois qu'il allait s'en emparer, mais non, finalement c'est un ballon là-bas pour Jeremy Dickinson qui a le dessus sur Benjamin Morel, pour Henrique Bizier. Henrique Bizier qui tente de se retourner, qui est passé, il y a faute de Yomé. Faute de Yomé, si, ici on proteste. Tout le monde s'énerve un petit peu, mais il y avait bien faute. Il y avait bien faute de Yomé sur Henrique Bizier qui avait parvenu à, qui avait réussi à se retourner et à faire la différence sur le latéral. Latéral gauche, cette équipe d'Alençon, qui n'avait plus d'autre choix que de faire faute, et donc il avait bien coup franc. Long coup franc, justement, qui a frappé par Jeremy Dickinson, un long ballon là-bas en direction de Lefort. Steve Mendes est le premier sur le ballon, avec Henrique Bizier. Oh là 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 là, quel oh. Beaucoup de contacts dans ce match-là, avec cette fois Valentin Charbonnier qui reste au sol. On voit beaucoup de gestes qui pourraient mériter à l'arbitre de siffler un peu plus. Finalement, l'arbitre un peu à l'anglaise qui laisse jouer, c'est pas plus mal. Ça fait un match un peu moins haché, mais ça donne pas mal de coups. Il a le sourire, l'arbitre, monsieur Perron, je vous rappelle. Donc qui a le sourire, il est content de sa manière d'arbitrer. C'est vrai que c'est sa chance, plutôt que de voir des arbitres qui sifflent au moindre contact. Lui, il laisse jouer, il voit ce que ça donne, il revient à l'avantage après, ou sinon il laisse se poursuivre l'action. C'est très intelligent et j'aime beaucoup cet arbitrage. Attention avec Steve Mendes, déviation de Valentin Charbonnier qui s'est relevé, Henrique Bizier, non c'était un noir, avec Steve Mendes de nouveau au ballon, il est devancé par Etamé, et là cette fois l'arbitre qui va siffler pour un coup d'en avant de Mendes, Berreté qui s'est tout de suite propulsé vers le ballon, ce qui a empêché Alençon de jouer rapidement le coup franc, le ballon là-bas côté droit, non ça va être à 6 mètres, ça va être à 6 mètres, ouais, voilà, on a vu Morel qui... Morel patienter tranquillement que le ballon sorte en corner. Finalement, c'était 6 mètres. Donc voilà, Morel très énervé. Il dégage encore le ballon. L'arbitre ne l'a pas vu, mais ça aurait pu être sinon encore une petite remontrance verbale. Hein, parce que bon, Benjamin Morel il a déjà pris un carton jaune en première mi-temps. Donc ça serait stupide pour lui de prendre un deuxième carton rouge qui serait synonyme d'expulsion. Son geste un peu de mauvaise humeur, l'arbitre ne l'a pas vu. Et donc Fawzi Hamzal qui dégage, dégagement d'Hamzal dans l'axe avec la tête de Berreté avec Charbonnier qui prend le dessus, Fatmi qui va trouver Grégory Lefort, hors-jeu de Grégory Lefort, ça s'est joué à quelques centimètres, mais il était visiblement bien hors-jeu, Grégory Lefort, le meilleur buteur de cette équipe de l'Azaï 6-3-5, qui n'a pas marqué ce soir. C'est assez rare pour le signaler. La dernière fois que l'Aza avait emporté 2-0, c'était au Touquet, il avait signé un doublé, Grégory Lefort, c'était en Coupe de France. Aujourd'hui, il n'a pas marqué. Les buts sont signés pour l'instant Henrique Bizier et Anouar Fatou. Avec Jeremy Dickinson de la tête, Bizier récupère un ballon de plus dans ce match. Que de ballons touchés par Bizier qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Belle action d'Alençon avec Yomé sur le côté gauche. Yomé qui trouve Morel, 1-2 avec Morel. Yomé qui centre en retrait. Attention, la frappe. Ah là 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 là, grosse occasion pour Alençon avec le centre en retrait de Yomé. Superbe action, le 1-2 avec Morel, le centre en retrait pour Julien Daniel. Et Julien Daniel, la reprise de l'extérieur du pied droit qui passe de très peu à droite du but d'Hamzal. Ça fait toujours 2-0 pour Laza. On est passé tout près de la réduction du score. Et pour l'instant, c'est toujours 2-0 alors que Albin Brion s'apprête à faire son entrée en jeu, le numéro 12 le numéro 13 de Laza. Qui va-t-il remplacer, on le saura plus tard. Pour l'instant, c'est le jeu qui reprend avec une tête de Namadia Berreté qui lui aussi reste au sol. Il va se relever, le grand Namadia. Ballon là-bas pour Ngansami. Ngansami qui va chercher dans la surface Daniel. Moi, il est amé. Non, finalement, c'est Jeremy Dickinson. Superbe passe en retrait de la tête, Jeremy Dickinson. Il a trouvé Hamzal. Hamzal, long dégagement une fois de plus d'Hamzal en direction de Grégory Lefort. Retour de hors-jeu apparemment de Grégory Lefort, ou à moins que ce soit une touche, non, ou une... Là, c'était faute. Faute visiblement Grégory Lefort sur Cyril François, alors que Laza n'a toujours pas pu procéder à son premier changement. Un ballon de Cyril François face à Lefort, faute de Lefort, l'arbitre laisse jouer avec Guissé, encore une fois. Guissé, je vous dis, c'est vraiment il a le numéro 8 dans le dos, mais c'est vraiment le numéro 10, numéro 6, homme à tout faire. Cette équipe d'Alençon, il bouge beaucoup. Là, il vient de passer Berreté et il a tenté de trouver Daniel en profondeur.
Mais belle intervention de Da Cruz, une fois encore une fois, qui avait jailli de sa défense, qui fait vraiment une très bonne impression pour ses débuts, ses débuts sous les couleurs de l'Arménienne. Là-bas avec N'Gansami, N'Gansami qui trouve en retrait Bio. Bio qui tente de se mettre sur son bon pied. Voilà, centre. Et c'est un centre contré par Pierre Bellicens. Encore beaucoup d'engagement de la part de Pierre Bellicens ce soir à Alençon. Une touche pour Alençon, sur le côté droit. Ça va permettre à Eric Géraldès de procéder à son premier changement avec donc l'entrée d'Albin Brion au milieu de terrain, la place de Namadia Bereté qui a beaucoup donné. Un changement discutable, hein, Namadia Bereté qui a porté beaucoup au milieu de terrain. A-t-il reçu un coup? Est-il un petit peu blessé? On ne sait pas trop. Non, il n'a pas l'air blessé. Donc bon, un changement, peut-être un changement tout simplement pour apporter du sang frais avec Albin Brion, donc qui lui non plus n'a plus joué en compétition officielle depuis près d'un mois maintenant. Touche côté droit avec N'Gansami, Bio, centre directement de Bio et la tête cette fois de Jérémy Dickinson avec Henri Bizier. Super contrôle d'Henri Bizier qui s'emmène son ballon, qui va défier deux joueurs. Et voilà, là c'est Yomé, parfaite intervention de Yomé. Et par contre celle de Dickinson l'était beaucoup moins. L'intervention de Jérémy Dickinson l'était beaucoup moins par derrière sur Morel. Et attention, ça va être peut-être le carton jaune pour Jérémy Dickinson. C'est un tacle par derrière, on a cru un instant qu'il pourrait prendre lui aussi qu'il pourrait prendre un rouge de plus, hein, on a déjà pris cette saison. Un tacle sur Benjamin Morel. Et Benjamin Morel. En tout cas, Eric Géraldès qui a été entendu, il avait demandé beaucoup de hargne, beaucoup d'agressivité dans les vestiaires. Et aujourd'hui, on voit vraiment une équipe qui met le pied, qui fait des fautes, qui met des coups. Mais c'est pas toujours non plus illégal, c'est même très souvent fait dans le sens du jeu, mais et ça apporte beaucoup, ça permet de gagner les duels. Attention au long ballon de Cyril François en direction de personne, si ce n'est Albin Brion, je crois. Non, c'est Steve Mendes en fait qui a dégagé ce ballon en corner alors que Fawzi Hamzal allait peut-être s'en emparer. Bon, c'est pas grave, c'est corner côté gauche frappé par Morel. Morel qui va envelopper son ballon devant le but, et nouveau Jérémy Dickinson, mais c'est dans l'axe, attention à ces ballons dégagés directement dans l'axe, parce que c'est pas comme ça qu'on éloigne les dangers, et surtout derrière l'équipe d'Alençon peut mettre en place une nouvelle offensive. Attention avec Dissé qui va tenter sa chance de loin. Ah, on l'a pas encore vu s'essayer dans cet exercice, on l'a vu dans tous les exercices, sauf la frappe, mais visiblement c'est pas son fort. En tout cas sur ce coup-là, il a totalement manqué le cadre, Dissé une frappe totalement dévissée. Et ça va permettre à Laza de ici 3-5 de souffler dans un premier temps, de se donner un peu d'air. Et avec un long ballon d'Amzal, avec la déviation d'Abrion pour Charbonnier. Charbonnier qui trouve intelligemment là-bas sur le côté gauche. Anouar Fatmi qui a permuté avec Henri Bizier. Anouar Fatmi qui tente de passer, qui n'est pas passé face à Bio. Bio qui a en plus le bénéfice du coup franc. Bio qui trouve tout de suite Guissé derrière lui pour Bedmar. Bedmar pour Cyril François, enfin, c'était Joachim Bédard, hein, pas Bedmar, j'appelle Bedmar depuis tout à l'heure, mais c'est Bédard. Avec un ballon très limite de Morel vers Cyril François. Avec Théa maintenant qui va remonter le ballon alors qu'on approche de la demi-heure de jeu, on joue depuis 28 minutes en deuxième mi-temps. Un dégagement d'une tête plongeante de Ibrahim Doukara. Yomé qui s'infiltre dans la défense, mais c'est encore Da Cruz qui a le dessus. Da Cruz qui boite, visiblement il a pris un coup, et l'arbitre justement qui revient à la faute et qui va donner le coup franc à la ZAI 365, une équipe de l'Arménienne qui est bien en place aujourd'hui, bien organisée, qui met des coups, qui récupère le ballon, qui a beaucoup d'allant dans les duels. On aime assez l'avoir joué comme ça, surtout quand le score est de 2-0. Alors est-ce que c'est peut-être la solution? En tout cas ça paye pour l'instant au tableau d'affichage. Et cette équipe donc qui mène 2-0, qui récupère beaucoup de boulons dans les duels et qui beaucoup d'efforts. Tunkara derrière à l'instant. Tunkara pour Bellicens qui se défait de N'Gansami qui était pressant. Et une faute sur Albin Brion, un des premiers ballons touchés, faute de Bédard sur Albin Brion. Et pour l'instant une victoire qui, on va pas parler trop tôt, on va pas créer victoire justement, mais la cinquième victoire de la saison qui dessine pour cette équipe de Laza qu'il avait jusqu'à maintenant emporté à Chartres, emporté à Malzerbe notamment. Aussi donc au Touquet en Coupe de France, à Ozoir, enfin bon, beaucoup de Bretigny aussi en Coupe de France, beaucoup de victoires en déplacement cette équipe. Avec Anouar Fatmi qui récupère le ballon pour profiter d'un mauvais dégagement, qui trouve Grégory Lefort qui a recherché Anouar Fatmi. C'est Théa finalement qui parvient à dégager son camp. Albin Brion au pressing avec une faute sur
Une faute sur Bio, nouveau coup franc en faveur de Bio. Attention, Benjamin Morel là qui est tout seul sur le côté droit. C'est bon, Jérémy Dickinson l'a vu, il va le prendre au marquage. On lui fait pas à Jérémy avec Benjamin Morel face à Henri Bizet. Benjamin Morel qui se défait d'Henri Bizet, récupère le ballon qui sert devant lui. Nouvelle faute de Henri Bizet sur Sidi Gissé, deux joueurs qui se ressemblent un petit peu et au niveau de la physiologie et aussi au niveau de la façon de jouer et de prendre le ballon là avec un beau geste de Yomé qui est doué techniquement là pour un défenseur. Il fait beaucoup de beaux gestes depuis tout à l'heure. Attention avec Guissé de nouveau, Guissé qui est pris par Charbonnier, superbe intervention de Charbonnier et Bizet qui trouve devant lui Grégory Lefort face à Théa, ça va être dur. Il a 4 joueurs face à lui, Grégory Lefort. Et superbe attaque de Théa qui parvient en plus à faire en sorte que le ballon ne sorte pas. Vraiment très bien joué de la part de Alexandre Théa, le défenseur central, qui vient souvent prêter main forte sur les côtés depuis le début de ce match. Long ballon, nouvelle fois en direction des Tamé. Jérémy Dickinson qui est devant Eric Bizier, qui ne se complique pas la vie, qui trouve Steve Mendes pour Albin Brion. Albin Brion qui est dépossédé du ballon par Ngansami pour Tamé. Tamé qu'on n'a pas encore beaucoup vu depuis son entrée. Superbe ballon là-bas, une belle balle en cloche pour Julien Daniel. Julien Daniel qui va tenter de trouver en retrait, on ne sait pas trop qui, parce qu'en tout cas c'est Steve Mendes qui s'en est emparé. Et cette fois c'est Henri Bizier encore une fois qui lui aussi touche beaucoup de ballons. Et un long ballon en profondeur en direction de Grégory Lefort. C'est Théa qui est le premier sur le ballon. Mais pour l'instant en tout cas ça permet à Lazard de rester bien en place, de pousser. Et là oui, superbe intervention de Dacruz. Hein, vraiment Dacruz qui fait un très très bon match là pour ses débuts en match officiel sous le maillot de Lazard. Pour l'instant Eric Géraldès et Franck Tuntunjian, le président, doivent se frotter les mains d'avoir réussi à faire venir ce joueur là qui donc je vous le répète était barré par les deux défenseurs centraux titulaires dont Samir Amirech, l'ancien cristolien très expérimenté Samir Amirech. Et voilà, Dacruz, il est venu ici et pour l'instant ça fait et son bonheur et le bonheur de Lazard puisque ses débuts sont très 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 prometteurs. On demande qu'à le revoir. Attention avec Benjamin Morel. Et là, une intervention parfaite de Jérémy Dickinson face à Morel. Les deux hommes se livrent une grosse lutte depuis le début du match. Grégory Lefort, oui, bien joué la part de Grégory Lefort qui a feinté la talonnade pour Bizier. Finalement, est revenu sur son pied et qui va fixer Théa. Attention, peut-être le passement de jambe. Non, pour l'instant, il le fixe, il essaie de le passer. Il est passé, non, il n'est pas passé avec Théa qui a bénéficié du soutien de son capitaine et partenaire de la charnière centrale, Cyril Grégoire. Et Théa qui donne à Guissé qui n'est toujours pas fatigué malgré le nombreux kilomètres parcourus ce soir. Guissé qui trouve justement là-bas Bio pour un changement de jeu. Bio qui va tenter de montrer la voie à cette équipe. Pour l'instant c'est Guissé. Guissé pour Cyril Grégoire. Cyril Grégoire qui joue très haut. Qui joue très haut avec Guissé. Guissé qui est nouveau cette fois sur le côté gauche. Il était derrière il y a 2 secondes maintenant, il est sur le côté gauche, il bouge énormément. Et Benjamin Morel qui lui commence vraiment à carboniser, il a du mal à avoir la lucidité de faire les bonnes passes, les bons centres, les bonnes remises, ça devient compliqué pour lui. Cyril Grégoire avec cette équipe-là, l'équipe de Lazard, qui attend tranquillement la fin du match, on dirait. Ils mènent 2-0. Ils protègent leur score, ils sont bien en place, ils profitent des contres. Cette fois, c'est Anouar Fatmi justement qui a un contre, qui a voulu emmener le contre pour Grégory Lefort. Grégory Lefort qui lui aussi commence à être un petit peu grillé. Il a beaucoup donné, seul en pointe de l'attaque. Et là, c'est un long ballon à Jérémy Dickinson, nouvelle fois. Jérémy Dickinson qui a rectifié le tir là en cette deuxième période. Il prend beaucoup de ballons, il coupe beaucoup de longues passes des joueurs d'Alençon. Avec le deuxième changement à l'instant pour l'équipe de l'ICIASA 3-6-5. Avec la sortie du numéro 11, Valentin Charbonnier, qui a lui aussi beaucoup, beaucoup donné. Bien joué Valentin Charbonnier, c'est dommage parce qu'il y a eu un beau face-à-face avec Flandra. Bon, on va vite oublier ce face-à-face parce qu'ensuite il y a eu but. Et c'est Anthony Fournier, le vaillant, qui rentre pour ces dix dernières minutes. On voit Franck Tuntunjian qui a le sourire, il aimerait bien le garder jusqu'à la fin du match, on imagine. Avec encore Guissé, mais il touche un nombre de ballons, c'est impressionnant. Avec un long ballon justement pour Etamé, non c'est Hamzal qui a crié laisse, et qui a pris le ballon, qui va le dégager tout de suite en touche parce que il y a Dacruz. Ah ouais, alors ça c'est pas très fair play. Et d'ailleurs Théa lui il met le ballon en touche, bien joué Morel aussi.
Parce que Da Cruz, dont on disait tant de bien il y a quelques minutes, Da Cruz, il est resté au sol. Alors est-ce que c'est un contact? Est-ce qu'il s'est claqué? On espère que ce ne soit pas trop grave pour Da Cruz qui apporte énormément à la défense depuis qu'il est là. On sent que lui aussi, il est un peu le patron de la défense. Il commande ses partenaires, il est toujours bien placé, vigilant. Et voilà, je vais le répéter encore une fois, mais il fait énormément, énormément de bien cette équipe de l'Aza face à Alençon aujourd'hui pour son premier match officiel sous les couleurs blanches et noires de l'Arménienne. Et ouais, Da Cruz qui s'est relevé, donc c'est bon, ça allait, pas trop grave, c'était juste un coup, hein, c'est la fin de match, évidemment, quand on a beaucoup donné, les coups font beaucoup plus mal que dans les premières secondes, hein, l'accumulation des efforts. Avec là-bas, Bio qui va déborder sur le côté droit, l'accélération de Bio qui trouve Étamé, il n'y a personne, si ce n'est Guissé, encore lui. Mais où va-t-il chercher toute cette énergie, Guissé, qui se retrouve face à Mendes. Et Mendes qui, avec l'aide de Gbizier, parvient à se dégager à nouveau. Mendes qui, cette fois, va trouver Anthony Fournier pour son premier ballon. Anthony Fournier, encouragé par son entraîneur, Grégory Lefort. Superbe déviation pour Anthony Fournier qui va déborder là sur le côté droit. Attention, ça arrive derrière lui. Et Grégory Lefort qui temporise et qui se fait prendre le ballon. C'est dommage, il aurait peut-être pu s'en débarrasser. C'est Yomé qui avait repris le ballon avec Bédard. Bédard qui a cherché Julien Daniel. Julien Daniel qui aussi parcourt beaucoup, beaucoup de distance sur le front de l'attaque. Et Daniel qui fait lui-même la touche, hein. il faut pas perdre de temps, là, qui trouve, vous aurez deviné Guissé, de toute façon tous les ballons passent par Guissé, en première mi-temps c'était déjà net, et en deuxième mi-temps c'est flagrant, avec une faute signalée par l'arbitre, donc il n'y aura pas de danger, Jeremy Dickinson peut laisser le ballon tranquillement sortir en touche, il va y avoir un coup franc, alors qu'il ne reste que 9 minutes, peut-être 10 à 12 minutes à tout casser avec le temps additionnel à jouer au total. Et toujours cette équipe de l'Aza ici 3-5 qui mène 2-0 et qui ferait évidemment une très bonne opération, sachant qu'il lui reste 3 matchs en retard à disputer contre Tours, contre Niort et contre Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, ça sera mercredi, mardi, je ne sais plus exactement. Bref, ça sera dans la semaine à Jean-Bouin. Et Niort, ça sera mercredi à Jean-Bouin. Et Niort, ça sera. Merci Adrien. Niort, ça sera dimanche. Niort, ça sera dimanche à Jean-Bouin aussi, puisque là, l'Aza va enchaîner une série de 4 matchs à domicile. Donc c'est vrai que cette victoire ici à Alençon, elle fera le plus grand bien dans cette série de matchs à domicile. D'autant qu'avec les 4 points que rapporte une victoire en CFA 2, aujourd'hui, avec toujours 3 matchs à jouer, l'Arménienne pourrait se retrouver en 6e ou 7e position à l'issue de cette journée, sachant qu'en alignant quelques victoires consécutives dans les matchs en retard, où Eric Giraldès, avant le match, voulait parler sur les 5 prochains matchs d'obtenir 3 victoires et 2 matchs nuls. Pour l'instant, il y a une victoire qui semble être acquise, mais même s'il reste du temps, donc ça permettrait très rapidement à cette équipe de l'Aza de vite se retrouver tout en haut du tableau. Parce qu'aujourd'hui, elle est uniquement 12e avec 27 points, mais c'est tellement trompeur. Je vous disais, il y a 3 matchs en retard à jouer, 3 matchs, ça peut faire 12 points au mieux pour cette équipe de l'Aza. Là, on n'est pas du tout dans un match en retard, c'est un match qui compte pour la 15e journée de championnat, et ça permettrait de prendre 4 points vraiment très bienvenus. Pour l'instant, ils sont en poche, on va voir cette fin de match que ça va donner, mais pour l'instant, on joue la 38e minute de jeu en deuxième mi-temps, et toujours 2-0. Pour l'Aza, avec ce dégagement de la tête de Da Cruz en direction de Fournier qui va y toucher son deuxième ballon. C'est encore Guissé qui a gagné le duel. Guissé, il est sur pile, il est sur ressort en tout cas. Il est inarrêtable et intenable en milieu de terrain. Bon, il le maîtrise bien, les joueurs de l'Aza, et il n'a pas non plus fait de dégâts insurmontables, mais il touche énormément de ballons, il crée beaucoup de dangers. C'est vraiment, on s'attendait à ce que Julien Daniel soit le danger numéro 1 de Alençon. Finalement, c'est se dénommer Sidi Guissé, qui arrive lui de Louhans-Cuiseau. Il est arrivé en 2005 à Alençon, très précisément. Il jouait avant, il portait avant les couleurs louhannaises, rouge et jaune de Louhans-Cuiseau. Avec là, une touche, non, ça va être un coup franc en fait. Coup franc pour Alençon, rapidement joué par Cyril Grégoire, il n'y a pas de temps à perdre. Un centre de bio dans la surface. Tim Mendes qui s'en mêle un peu les pinceaux, mais finalement, ça permet de trouver Anouar Fatmi qui lui aussi a eu un petit peu de mal. Mais finalement, voilà, c'est Anthony Fournier qui. Voilà, là, décidément. Enchaînement de,
Enchaînement d'imprécision là sur le coup avec un long ballon pour Julien Daniel. Julien Daniel une nouvelle fois battu dans son duel par Ibou Tunkara. Gros match également de Ibou Tunkara. Alors là pour les internautes, les fidèles internautes d'ici 3-6-5, ça va devenir compliqué d'attribuer le top 3-6-5 de ce match parce qu'on a vu vraiment beaucoup de satisfaction sur Grégory Lefort devant, Dacruz Tunkara en charnière centrale, Mendes Berrette au milieu. Valentin Charbonnier avant sa sortie, Jérémy Dickinson sur le côté droit qui n'est pourtant pas son poste de prédilection, Henri Bizet qui a fait un gros match, qui a marqué le premier but. On en oublie certains, Pierre Bellicens aussi avec sa grinta légendaire et Fawzi Hamzal qui a permis longtemps à l'équipe de l'AZA de garder ce 0-0 avant d'ouvrir le score, notamment dans la minute qui a précédé l'ouverture du score. Les choix sont nombreux pour le top 3-5. Pour l'instant, c'est un coup franc pour Alençon avec un long ballon de Guisset. Et un nouveau Dacruz qui prend le ballon de la tête et qui le dégage en touche. Guisset qui va se dépêcher de... Non, c'est pas possible. Guisset peut pas être au début et à l'arrivée des actions. Donc c'était Etamé qui va jouer cette touche qu'il la laisse en fait à Morel. Ça va être une longue touche de Morel, un petit peu comme le fait le joueur de Stoke City, de l'arrière gauche de Stoke City. Attention avec. Non, finalement, ça n'a pas été une longue touche, c'était une courte touche pour Bédard. Bédard là-bas qui trouve Bio repassé latéral droit depuis l'entrée en jeu de Etamé. Et un ballon en direction de la surface pour personne, avec une nouvelle contre-attaque pour l'AZA avec Anwar Fatmi là-bas sur le côté droit, qui va peut-être jouer en dédoublement avec personne. Et Anwar Fatmi qui a repiqué dans l'axe, qui a gardé le ballon, qui donne à Anthony Fournier. Anthony Fournier, c'est parti là-bas pour. C'est parti là-bas pour Pierre Bellicens en fait qui est monté pour donner un coup de main à son attaque pour apporter le surnom avec Pierre Bellicens qui a cherché Henri Bizet qui n'a pas réussi à saisir du ballon. Attention parce que c'est pas encore terminé, on joue la 41e minute et on sait qu'en football tout peut aller très vite et qu'on peut marquer deux buts très rapidement. D'ailleurs Eric Géraldès le sait parfaitement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va faire rentrer un défenseur à la place d'un attaquant. Avant ça il va y avoir un changement côté Alençon avec la sortie de Benjamin Morel. Benjamin Morel applaudi, remplacé par le numéro 14, Kevin Perrault. Et côté de l'AZA ici 3-6-5. Donc Julien Potier qui lui rentre au vestiaire parce qu'il sait qu'il ne rentrera pas. Côté de l'AZA ici 3-6-5. Donc c'est Morlaï Cissé qui va remplacer. Morlaï Cissé, donc défenseur. Habituel défenseur de cette équipe qui va remplacer Tim Mendes. Qui a vraiment lui aussi beaucoup donné dans l'entrejeu. Un gros match de Steve Mendes qui a eu quelques petits problèmes à se régler en début de match et qui ensuite a pris la mesure du milieu de terrain avec beaucoup d'interceptions, beaucoup de relances, beaucoup de ballons touchés, beaucoup de déviations. Il a fait lui aussi, il a apporté énormément à son équipe. Et là, donc c'est Morlaï Cissé qui rentre et qui va prendre place en milieu de terrain. Il est en train de donner les consignes. Si c'est Morlaï Cissé qui va prendre exceptionnellement place en milieu de terrain, donc à la place de Steve Mendes à la récupération. Morlaï Cissé, lui qui évolue sur le côté droit, que ce soit avec Sélection Nationale de Guinée ou avec l'AZA. Henri Bizet qui s'est servi par Anthony Fournier. Henri Bizet qui calme le jeu, qui trouve Jérémy Dickinson sur le côté droit. Jérémy Dickinson, Grégory Lefort, on l'invite à la garder, mais Grégory Lefort, pour l'instant, il se retourne. Il a encore deux joueurs face à lui. Comme souvent, il a tenté de passer. Et ouais, il obtient le coup franc. Très bien joué de la part de Grégory Lefort face à Yomé et face à Ngan Sami. Obtenir le coup franc à ce moment du match, c'est presque un exploit. Donc c'est vraiment très très bien joué de la part de Grégory Lefort. Alors encore une fois, Henri Bizet, Grégory Lefort au ballon pour ce coup franc alors qu'il ne reste plus qu'à 2 minutes, 1:30 très précisément à jouer dans le temps réglementaire. Henri Bizet qui a joué rapidement à Grégory Lefort qui va garder le ballon pour le taux de corner. Qui donne à Henri Bizet qui va tenter de passer. Oui, il est passé, ça y est, il trouve en retrait. Anthony Fournier qui après un crochet retrouve Henri Bizet. Grégory Lefort à nouveau une aile de pigeon pour se la lever. Grégory Lefort qui enchaîne et qui obtient la touche, un coup franc, une touche. Grégory Lefort, il fait beaucoup de bien là, en cette fin de match. Son expérience, lui c'est un ancien joueur de CFA, son expérience qui permet de garder des ballons très précieux à cette fin dans ces derniers instants. Super ballon de Henri Bizet pour Grégory Lefort. Une frappe qui va se transformer en longue transversale là-bas pour Anwar Fatmi. Anwar Fatmi, touche pour les Verts en fait, touche pour les Verts alors qu'il ne reste plus que 45 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Ça sent bon la victoire là pour l'AZA qui n'avait plus gagné depuis un petit bout de temps. Très précisément depuis en championnat, ça devait être cette victoire à Malesherbes je crois. Et sinon il fallait remonter à la Coupe de France et cette,
cette qualification au Touquet pour trouver trace des victoires de Laza. Laza qui n'avait plus gagné. Voilà, c'est ça, depuis le 15 novembre dernier à Malesherbes, 2-1 en ce qui concerne le championnat. Cette victoire va faire beaucoup de bien pour commencer l'année. Ça va permettre de faire un bon classement avec 3 matchs en retard, donc c'est vraiment très important. Et puis évidemment, pour aborder le match de Choisy-le-Roi mercredi prochain, c'est idéal, même si encore une fois, je vous le dis, c'est pas terminé la preuve avec un corner là, un corner peut-être de la dernière chance pour les Verts d'Alençon. Les d'Alençon qui sont menés 2-0 sur leur pelouse. Alors il reste 3-4 minutes peut-être au maximum de temps additionnel. Donc évidemment, il serait une bonne idée pour eux de réduire le score tout de suite, mais un corner une fois de plus très mal joué de la part des joueurs de l'Orne, des joueurs de Christophe Ferron, avec Grégory Lefort cette fois côté gauche qui a encore beaucoup de jus et qui va tenter de passer entre 3 joueurs de l'Alençon. Non, cette fois il n'aura pas le coup franc, c'est une touche. C'est une touche pour les Verts. Touche pour les Verts et Grégory Lefort, le ballon qui lui revient encore. Il touche beaucoup de ballons en cette fin de match, Grégory Lefort. Il a toujours des jambes et il le prouve. Et là, un nouveau coup franc pour les Verts d'Alençon. Il ne reste plus que quelques secondes à jouer dans ce match et on s'oriente vraiment là vers une victoire de Laza ici 3-5. Il y a encore quelques minutes, on disait que Alençon aurait pu peut-être revenir au moins au score. Pour l'instant, sauver l'honneur semble presque même inespéré pour Alençon parce que le temps défile très vite. Il ne reste que quelques secondes et évidemment on est fatigué aussi du côté d'Alençon, même s'il va y avoir un nouveau coup franc en faveur des joueurs de Christophe Ferron. Cette fois c'est une faute obtenue par le capitaine lui-même, Cyril François qui va frapper lui-même le coup franc. Ça va être probablement un très long ballon loin devant. On aurait même pu s'attendre à ce que le gardien monte, mais bon, il y a 2-0, donc 2-0, 2-1, c'est un petit peu la même chose, c'est un peu pour dire. Et voilà, long ballon, en plus ça ne donnera rien. On ne serait pas étonné de voir l'arbitre siffler le coup de sifflet final sur ce peut-être dernier dégagement de Faouzi Hamzal. On voit beaucoup de monde déjà dans la tribune, des gens qui s'en vont, qui regagnent leur domicile. Ils ont très bien compris, ils ont parfaitement compris que voilà, c'était fini. Donc attention, dégagement d'Hamzal. Non, l'arbitre qui ne siffle pas tout de suite, il laisse encore jouer un petit peu. Il se plaît sur cette pelouse, même s'il ne fait pas très très chaud. Bizier qui prend le ballon. Il va falloir qu'il essaie de s'emparer du ballon dans le pied de Bédard. Et non, Bédard qui réussit à s'en sortir. Qui trouve là-bas, Bio. Bio qui se retourne. Retourne, on l'encourage. Allez, Arnaud. Arnaud Bio pour Gassé. Pour Guissé. Guissé pour personne, puisque Ngan Semi avait fait le pas de trop et le ballon lui est arrivé dans le dos. Là, c'est une touche pour Dickinson, pour Fournier. Et là, c'est trois gros, gros, gros contacts entre Etamé et Dickinson. Dickinson qui se fait un peu chambrer, qui prend un appel à se réveiller. Il va jouer la touche, il s'est réveillé vite. Et voilà, il a. Et c'est finalement une touche qui va revenir à Yomé, puisqu'il a mal joué cette touche. Jeremy Dickinson peut-être encore sonné par le coup reçu. Et un nouveau coup franc pour Alençon, qui procure vraiment beaucoup de coups francs en cette fin de match. Henri Bizier qui va prendre un carton jaune. J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Peut-être a-t-il cherché à gagner du temps. Ou bien s'il fait une remontrance à l'arbitre, ça ne plaît pas à Eric Géraldès. Ce serait bien passé de ce carton jaune de dernière seconde. Et ce coup franc pour Guissé, là, on devrait commencer à toucher au but, là, parce que ça fait bien 2-3 minutes qu'on joue le temps additionnel. Guissé qui va frapper le coup franc, alors que le public d'Alençon a l'air d'apprécier Eric Géraldès, qui le répond en souriant. Il sent Eric Géraldès avec le signe de la victoire, attention, coup franc, et ouais, Hamzal qui... tranquillement, s'il y a en plus ce coup franc. Hamzal avait capté le ballon, mais il y avait une coup franc, une faute sur le premier. Voilà, c'est la fin du match. Ici, avec cette victoire de Laza, ici 3-5, 2-0. But d'Henri Bizier à la 12e minute en première mi-temps et de Anwar Fazmi en deuxième mi-temps. Victoire très importante pour Laza, ici 3-5, qui va faire un bon classement. Et nous, on se retrouve
On se retrouve mercredi pour ce match face à Choisy-le-Roi à Jean-Bouin. Rendez-vous mercredi à domicile. À bientôt, bonne soirée.